Ah, la honte, la honte, la honte, la honte. Moi je stresse, j'ai peur en plus. Hello, hello, hello bitches, c'est moi Onoud Bey. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo, c'est une vidéo un peu particulière. Je vais me faire du violet lavender de Crazy Color. Il me reste en fait quelques mèches blondes. Et genre j'en ai marre de mon blond et je voulais faire noir de base mais du coup j'ai annulé. Et je vais faire du violet parce que voilà quoi. Et ma cobaye c'est Aileen. Vous avez pu la voir dans d'autres vidéos. C'est toi le cobaye, c'est pas ah oui, moi. C'est Aileen la cobaye. Bah Aileen raconte ce qu'on doit faire. Et ben du coup il vient de laver ses cheveux. Parce qu'il faut laver ses cheveux avant. Et après il n'y a plus qu'à appliquer le Crazy Color et attendre 25 minutes, 30 minutes je sais plus. Et après il a plus qu'à laver ses cheveux et la couleur elle sera faite quoi. J'enfile les petits gants de manière à pas me salir les mains. Onour, tu stresses? J'ai pas prévenu mes parents, j'ai pas prévenu le boulot. Je t'ai dit c'est comme un shampoing. Putain mais c'est violet violet hein. Incroyable. Non la couleur elle a l'air cool. Ouais. Bah du coup c'est parti, j'en mets que sur dessus de toute façon. Ouais. Pas besoin de mettre sur la couleur. La couleur elle est incroyable. De toute façon ça fait quoi si on le met sur le marron? Ça fait rien du tout. Non. Et là je vais avoir que les mèches. Ouais. Genre je vais avoir des cheveux violets. Ouais. Ah mais de toute façon je pouvais plus me les voir ces mèches blondes. Non mais en vrai ça va faire bien. Tu penses que ça va faire bien? Ouais. Bah, ça... Moi je veux que ça soit discret en fait. Je veux pas... Ouais, mais ça en fait j'en ai marre de ce blond. Mais je te dis t'as rien comme mèche blonde tu... Mais ma vidéo elle est de la merde hein. Ça va faire joli je trouve hein. Attends. Ah j'aime trop le violet. Bah ça va changer un peu en vrai. Mais ça va pas être. Ça va durer combien de temps? Ça partira un petit peu. Et bien, regarde là il en manque un peu là. Non? Comment ça il y en a 2-3 je vois. Mais genre là, tu verrais, il y a genre un ou deux cheveux décolorés. Et pourquoi ils sont pas faits? Mais ça sert à rien, un cheveu. Bon d'accord, fais pas. Non mais c'est pas ça. Mais c'était bidon. Mais je t'ai dit, c'est comme un shampoing. J'ai payé ça 7 euros, wesh. Bon, Aileen et moi, on a postulé pour Pékin Express 2022. Et là, on va enfin envoyer notre vidéo. Ça y est. Ça y est, bon allez, vas-y. C'est suivant. Oh non. C'est une blague. Putain, non, non, parce que ça fait trop longtemps. Putain, regardez-moi ça. Putain, mais parce qu'on l'a laissé trop longtemps. Putain nous. Tu te rappelles de tout ce que t'avais mis ou pas? Ouais, quand même, ça se voit. Hein. Donc c'est bon, j'ai fait ma couleur violette. Je sais pas si vous voyez. Pas si on voit. Ah, mais tu filmes ça. Et allez, vas-y, montre à Aileen. Je mets? Oui. Vas-y, vérifie tout. Alors. Non, mais ils se sont trompés, regardez, ils m'ont mis François à la place de Français. C'est ça. Putain. Moi aussi, mon mec. Ah non, toi, ils ont mis Français. Mais c'est moi qui écris, c'est pas. C'est toi, t'as mal. Sens de l'humour, pour moi, tu m'as dit beau. Ça y est, on a postulé notre candidature pour Pékin Express, Aileen. Pour qui Pékin Express? La candidature, c'est la candidature à 60% par contact par mail ou téléphone. Vous pouvez à présent quitter la page. Allez, on a passé. C'est notre premier casting. On a galéré, hein. On l'a fait au moins 3 fois le formulaire. Deux fois. Oh, putain, c'est encore vert. Oups, je suis en train de conduire. Et juste en fait, genre aujourd'hui, je rentre chez ma mère, chez mes parents, pardon. Ce week-end. De base, je voulais pas rentrer. Et en fait, mardi, j'ai fait ma couleur de cheveux. J'ai fait du violet sur mes cheveux. Et bah en fait je voulais vous filmer un peu la réaction de ma mère. Parce qu'elle n'est pas du tout au courant. Ni ma soeur n'est au courant que je me suis fait une couleur. Du coup on va voir. Et franchement même moi j'ai peur en fait. Je stresse genre ça va être quoi sa réaction? Est-ce qu'elle va me casser la tête? Encore feu rouge. Bon ça tombe bien parce que je suis en train de vlogger. Et bref je suis dans la voiture et je suis en train de me filmer. Désolé si je vous regarde pas. Anything anyway, moi je stresse, j'ai peur. En plus, je me suis fait des cheveux violets et tout. Non, mais la honte! Ah, la honte! La honte, la honte, la honte. C'est pas la honte en fait, c'est. J'aime trop en fait, ça me va trop bien. En plus, je me suis habillée trop bien, genre je me suis habillée en noir et tout et tout.
En fait, j'aime trop ma tenue, j'aime trop mes cheveux. Mais en fait, là, c'est pas ça le thème de la vidéo. C'est en fait, je vais aller. Oh putain, c'est encore vert. Je vais voir la réaction de ma mère. Je stresse. Bref, je vais arrêter de filmer parce que là, on est en ville. Allez, ciao, bisous. Oh my god, les gens, genre. Le truc que j'aime pas, genre, c'est quand je conduis, bah, je peux pas me filmer. Et du coup, c'est trop chiant. Du coup, faut, je pense qu'il faut que j'investisse sur un truc qui porte le téléphone ou un truc qui porte la caméra. Et comme ça, vous me verrez chanter durant que je conduis les gens, hein. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai peur que là, je vais rentrer, ma mère va voir ma tête. Et en fait, je sais pas du tout c'est quoi sa réaction. Genre, ça va être quoi sa réaction, genre... Parce que la dernière fois, quand j'avais fait tout blond, genre tout blanc, genre, elle avait pété un câble. Genre, j'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, elle a pété un câble. À la limite, elle allait tomber dans les pommes. Alors là, violet, franchement, ça va. En fait, moi, j'aime bien parce que c'est juste des mèches. Donc ça passe grave, ça passe crème. Moi j'aime bien perso. Voili, voilou. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Et bonne catastrophe. Mais c'est pas à toi? C'est pas les chaussettes de Céline? Non, c'est à moi. Bon bah voilà, c'est fini. Vous avez pu voir la réaction de ma mère. Bon, en vrai, elle a bien réagi. C'est pas trop choquant, ça veut dire. Bon bah voilà.